Bonjour Egon. Bonjour. C'est un plaisir de pouvoir t'interviewer. Bah, le plaisir partagé. En plus, ce beau soleil et ce ciel bleu de Provence, ma Provence. Ta Provence, ouais. Dont tu es originaire ? À Donf. Je suis un Provençal. Je suis un Provençal expatrié à Paris, mais mon cœur est profondément Provençal. Alors nous sommes ici aux journées du mystère et de l'inexpliqué organisées par BTLV. Dans ce cadre-là, est-ce que j'aurais quelques questions à te poser ? Toutes les questions sont bienvenues. En tout cas, merci. De rien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'ufologie et de ton regard sur l'ufologie en France et avoir ton avis sur comment évolue l'ufologie aujourd'hui ? Alors, j'ai un peu de mal. Pour une raison, c'est que les gens qui me connaissent un peu savent que je suis, alors je le dis avec beaucoup d'humilité, hein, oui. J'ai plus une démarche d'historien, amateur, hein, oui. Mais d'historien. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est d'aller fouiller les archives, d'aller trouver dans des vieux magazines oubliés des cas. Oui. Parce qu'il y a des tas de cas oubliés, en fait. Mmh. Retracer tout ça, recouper, retrouver des interviews, j'adore ça. C'est-à-dire ressusciter aussi des choses qui se sont passées et que le temps, et que la poussière du temps est recouverte et qu'on a oublié. L'ufologie, comment t'expliquer, c'est un monde très très vaste. Mmh. Il est très difficile pour moi de me focaliser sur un point précis de l'ufologie, parce qu'en ufologie, c'est un peu comme l'auberge espagnole, on trouve de tout. Mmh. On trouve des gens qui sont très rigoureux, on trouve des gens qui ne le sont pas. Ce que je pourrais dire déjà en gros, c'est que c'est assez difficile d'être ufologue aujourd'hui, pour une raison, d'abord, c'est que Internet a à la fois facilité, l'approche du sujet pour appréhender ce phénomène assez particulier que sont les ovnis, mais en même temps ça complique. Ça complique parce qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs, il y a beaucoup de fausses nouvelles, et il y a aussi beaucoup de fausses photos, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des fakes. Donc pour s'y retrouver, c'est pas facile. C'est pour ça que ça demande une grande rigueur. Et c'est pour ça aussi que quelque part, peut-être au fond, c'est plus facile pour moi d'aller chercher, tu vois, de fouiller les archives et de ressusciter des cas du passé, des cas oubliés. Je trouve, parce que en même temps, je trouve des merveilles, les archives, le passé, la presse ancienne, les grimoires, même certaines vieilles émissions, je récupère des vieilles émissions, c'est un matériau d'une profondeur, d'une force extrêmement précieuse. Voilà. Il y a beaucoup de richesse, en fait, mais matériel. Oui, tu ne peux pas imaginer, et en même temps, ça peut aussi nous éclairer. Oui. Sur ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que, moi je pense, c'est une palissade que je vais te dire, mais je pense qu'on ne peut comprendre que ce qu'on est aujourd'hui que si on a un regard aussi sur le passé. On n'est pas coupé de tout ça. C'est-à-dire, voilà. Alors l'ufologie, pour répondre à ta question, elle va un peu dans tous les sens aujourd'hui. Moi parfois, ça me rend triste parce que j'essaie d'être très factuel. Enfin, si tu connais un peu ce que je fais, j'essaie d'être extrêmement factuel. C'est-à-dire, lorsque je parle de quelque chose, il faut que j'amène la preuve de ce que je dis. J'ai une démarche scientifique. Voilà, j'ai une démarche absolument. Mmh. L'ufologie est un peu brouillée aujourd'hui par des personnes qui sont beaucoup plus dans le merveilleux, qui sont beaucoup plus dans dans la science-fiction que dans quelque chose de factuel. Et ça, c'est dommageable, voilà, pour une recherche qui déjà est assez difficile, parce que effectivement, dès qu'on dit qu'on s'intéresse aux ovnis, on tend le flanc à la critique, au rire et au lazy. Enfin voilà, je pense que tu connais ça. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais me parler des abductions, parce que c'est un sujet qui est très peu traité en France et qui est très très intéressant au demeurant. Alors, en ufologie, on le sait, c'est-à-dire que d'abord, il y a le phénomène central, hein, qui est le phénomène des ovnis. Alors, je dis bien ovni, c'est-à-dire, moi, je reviens toujours à l'acronyme, je suis très... J'aime pas beaucoup le glissement sémantique. Oui. C'est-à-dire que quand on parle d'ovni, pour beaucoup de gens, si tu cites le terme ovni, pour beaucoup de gens, c'est un vaisseau venu d'outre-espace avec des ufonautes tout verts, avec des tentacules, etc. Ça me contrarie un peu. Moi, je parle vraiment d'ovni, c'est-à-dire d'objets volants non identifiés sur lesquels
lesquels on travaille toujours et sur lesquels on a du mal. Oui. On a du mal à appréhender. Bon. Alors, effectivement, le sujet est extrêmement protéiforme et on sait que, si tu veux, au centre, enfin, je t'apprends rien, hein, au centre, ce sont vraiment ce phénomène, oui, ces vaisseaux, ce phénomène, ces lumières, etc. Oui. Et il y a tout autour des épiphénomènes. Hein, il y a les crop circles, il y a la mutilation du bétail et il y a l'abduction. Et l'abduction, effectivement, on se rend compte que c'est un phénomène qui est indissociable du phénomène OVNI. Mmh. Alors moi, l'abduction, évidemment, ça me passionne parce que j'ai eu un grand coup de cœur quand j'ai découvert John Mack. J'ai une grande passion pour John Mack. Quand j'ai lu, j'ai dévoré ses livres, hein, j'ai absolument dévoré ses livres. J'avais vu une très belle interview de John Mack qui expliquait qu'il était à Bâton Rouge à l'époque et qu'il était tombé sur Bud Hopkins, qui est un des pionniers en matière d'abduction. Et quand Bud Hopkins lui avait parlé du phénomène de l'abduction, John Mack s'était dit « Bingo, j'ai trouvé la névrose du XXe siècle ». Et en fait, il a enquêté et il a mis des années sur un panel assez conséquent, hein, de cas, de personnes se disant enlevées. Et quand il a sorti son livre a été un pavé dans la mare. C'est-à-dire personne ne s'attendait à ça. Et les livres de John Mack, il faut lire John Mack. Mmh. Je trouve qu'il y a une rigueur, il y a quelque chose d'incroyable. Et je suis très sensible à ce que dit John Mack, c'est-à-dire qu'il est évident que les gens, une partie de ces gens qui se disent enlevés, ont vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant. Puisque on sait aujourd'hui qu'une personne schizophrène, par exemple, qui va monter une histoire, qui va inventer une histoire, ne présente pas, hein, oui, de marqueurs de stress. Or, ces gens qui ont vécu une abduction présentent des marqueurs de stress aussi importants que des personnes qui se seraient trouvées sous un bombardement. Donc là, il y a bien quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Je suis très humble. Je suis comme Aimé Michel, c'est-à-dire ce que je sais sur les ovnis, pour l'instant ça tient sur un timbre poste, c'est ce que avait dit Aimé Michel avant de mourir, j'aime beaucoup ça. Ou comme dit Jacques Vallée, c'est un phénomène qui nie sa propre évidence, alors avec ça complique. Mais il y a quelque chose, à mon avis, de très important, il y a quelque chose à fouiller, il ne faut surtout pas se moquer, il ne faut surtout pas balayer d'un revers de main. Tu peux nous rappeler le principe de l'abduction un petit peu? Qu'est-ce qu'on entend par abduction? Alors, abduction, pour ceux qui ne connaissent pas. Abduction en anglais, c'est un terme qui veut dire kidnapping, enlever. Oui. Hein. Oui. L'abduction, on a des cas de gens qui un jour racontent que soit ils sont au volant de leur voiture, ça peut se passer au volant de sa voiture, ça peut se passer dans sa chambre, c'est encore plus angoissant. Oui. Mais par exemple, au volant de leur voiture, ils aperçoivent, ils sont en famille ou en couple ou tout seul, ils aperçoivent une lumière dans le ciel. Oui. À ce moment-là, ils regardent cette lumière, alors ça se passe souvent comme ça. Et ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et la lumière repart. Mais souvent, c'est ça, et c'est là où le sujet devient inquiétant, parce que ça veut, parce que l'abduction quand même présente des aspects assez inquiétants, c'est que ils vont se rendre compte que lorsqu'ils ont vu l'objet passer, il était 14 heures et que d'un seul coup il est 16 heures. Donc il y a ce qu'on appelle un missing time, un temps manquant. Oui. Dans les semaines, les années qui vont suivre, ils vont avoir des espèces de souvenirs récurrents qui vont venir, qui vont vraiment les inquiéter. Ils vont faire, par exemple, des hypnoses régressives. Enfin, il y a des tas de choses qui vont affleurer. Oui. Ils vont se rendre compte que, visiblement, ils ont été confrontés. Cette lumière était un objet, qu'il y avait des passagers dans cet objet et qui les ont enlevés, qui sont venus, qui les ont enlevés. Ça peut se passer dans sa chambre. Il y a des gens qui s'endorment et puis d'un seul coup, ils se réveillent. Et il y a autour de leur lit des personnages qui les enlèvent ou, on ne sait pas, mais qui les enlèvent. Et l'abduction peut être vécue de différentes façons. C'est-à-dire que des gens ont souffert parce qu'ils ont été considérés comme des cobayes, où on a fait des prélèvements sur eux. Alors visiblement, tout ce qui est reproduction, hein, chez nous, les intéresse. Comme si c'était un phénomène qui, je ne sais pas, qui jouait une hybridation, qui voulait une hybridation, etc. Ou d'autres, pas du tout, ça se passe gaiement, de façon très sympathique. Chacun le vit différemment. Voilà, ce phénomène-là est visiblement indissociable du sujet OVNI. Moi, je pense qu'il faut le prendre très au sérieux et fouiller. On balbutie en tout. Restons humbles. Moi, je dis tout le temps, il faut garder notre capacité d'émerveillement. Même si c'est violent, même si c'est terrible. On est émerveillé par un volcan et c'est terrible. On peut être émerveillé par un tsunami, ça peut être terrible. Restons émerveillés parce que c'est la première
la première étape de toute démarche scientifique. Et je trouve que l'abduction mérite vraiment qu'on s'y penche, vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ce domaine de l'ufologie? Est-ce que petit, tu étais déjà attiré par tout ça et... Alors moi, c'est mon papa. C'est mon papa, et grâce lui soit rendu. Je suis fils de militaire, mon papa était colonel. Oui. Et quand mon papa organisait des dîners le dimanche à la maison, on avait des amis pilotes. Et c'était des gens comme mon papa. Ces militaires étaient des gens extrêmement pragmatiques, les pieds sur terre, ça rigole pas, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun jeu. Ce sont des gens en plus qui sont formés pour reconnaître chaque chose dans leur couloir de vol, ça rigole pas. Hein. Oui. Alors les dîners le dimanche, pour te dire, c'était un peu chiant, ouais. Parce que ça parlait de l'Indochine, de l'Algérie, etc. Pour l'enfant et le pré-ado que j'étais, c'était très, très ennuyeux, mais parfois, quand le vin était bon, la chair goûtue, les amis pilotes racontaient des choses absolument incroyables qu'ils avaient vues, ou des amis pilotes qui leur avaient raconté. Et tu sais, je peux te dire une chose, moi ça a été très étrange, mon entrée en terre ovni, c'est-à-dire qu'à la maison, c'était extrêmement sérieux. On rigolait pas avec ça. Mon papa était un homme, mais pragmatique au possible, et on rigolait pas avec ça. Alors, ce qui était très déstabilisant pour moi, c'est que quand j'en parlais avec mon père ou les amis militaires et pilotes, c'était sérieux, c'était des grandes interrogations. Ils n'en parlaient pas autour d'eux spécialement. Hein. Et quand je sortais de la maison et que je parlais aux amis, aux parents des amis, tout le monde rigolait en disant « le petit, il n'a pas toute sa raison ». Voilà. Et puis mon papa est décédé en 96 et il est parti de l'autre côté des fleurs et j'ai eu envie de lui rendre un hommage. Et c'est vrai que on parlait beaucoup OVNI, lui et moi, voilà. Et le sujet m'intéressait évidemment depuis que j'étais enfant, c'est-à-dire que j'étais sensibilisé à ça de façon extrêmement sérieuse. Et j'ai trouvé logique de faire un livre là-dessus. Et depuis que j'ai mis un pied en terre OVNI, je m'en lasse pas. Voilà, je m'en lasse pas, c'est génial. C'est génial. Et tu as gardé cette rigueur, La rigueur est obligatoire. Oui. D'abord pour essayer de sensibiliser le maximum de gens à ce phénomène. Mmh. C'est-à-dire que si on commence à raconter n'importe quoi, si on commence à délirer, autant écrire des livres de science-fiction, moi j'adore ça, hein. Mais pour moi c'est un sujet extrêmement sérieux. On n'est pas du tout en galéjade. Je déteste d'ailleurs le terme paranormal. Hein. Quand on dit c'est paranormal, qu'on les classe en paranormal, ça me contrarie beaucoup parce que pour moi c'est pas paranormal. Rien de ce qui nous entoure. Ou alors on va dire la matière noire est paranormale, tu vois, les trous de verre sont paranormaux. Moi pour moi c'est pas paranormal, c'est un sujet très sérieux qu'il faut aborder avec énormément de sérieux. Voilà. Donc c'est autant faire ce peu et je le fais avec toute l'humilité et avec mes petites forces. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Egon. Mais merci à vous. Et puis au plaisir de se revoir. Le plaisir est partagé. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.